Élections législatives, la CENIT à pied d'œuvre. La liste des candidats retenus pour les élections législatives a commencé à être publiée aujourd'hui au siège de la CENIT à l'Arbi. La CENIT a effectué la délibération hier, arrêtant par circonscription électorale la liste officielle des candidats aux premières élections législatives de la 4e République. La liste publiée n'est pour l'instant que partielle, a indiqué Fanoura Koutendjazak, porte-parole de la CENIT. Pour le 2e arrondissement, la liste comprend 38 noms. Celle du 3e arrondissement n'a pas encore été affichée. Pour expliquer le fait que la liste n'est pas publiée d'un seul coup, notre interlocuteur a précisé que l'acheminement du reste des dossiers des candidats aux législatives a pris du retard. Il a rappelé que la date limite pour le dépôt de candidature a été fixée pour le 23 septembre dernier et qu'il y a également eu un délai de 72 heures accordé pour remplir les dossiers incomplets. Il est difficile pour l'heure d'avancer un chiffre quelconque sur les candidats retenus. La CENIT mettra à jour la liste au fur et à mesure que les dossiers de candidature lui parviennent.